Au Seigneur Jésus, grâce, miracle. Ô Père, ta faveur, ta grâce pour le Gabon. Que le Seigneur protège le Gabon. Que Dieu veille sur le Gabon. Que Dieu préserve la vie des Gabonais. Que Dieu étende sa main sur le Gabon, qui protège le Gabon. Seigneur, protège le Gabon. Que ta main soit étendue sur le Gabon, que tu protèges cette nation de tout buvet de sang, de tout sacrifice humain, de tout assassinat, de tout meurtre. Protège le Gabon, Jésus. Nous te recommandons la nation entre les cœurs de tes mains. Nous prions que, Seigneur Dieu, ta main soit étendue sur le Gabon. Nous prions que notre Père et notre Dieu, tout ce que l'ennemi prépare sur le Gabon, Seigneur des armées, les meurtres organisés, les règlements de comptes, les sacrifices humains, soient détruits dans le nom de Jésus. Je vois la mer qui est agitée et je vois l'esprit des eaux qui réclament le sang des Gabonais. Je vois cet esprit qui dit « Donnez-moi du sang, donnez-moi du sang, donnez-moi du sang. » Nous devons prier pour le Gabon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous devons prier pour le Gabon. Je le répète, nous devons prier pour le Gabon. Nous devons prier pour le Gabon. Je reçois des vidéos, je reçois des vidéos. Et mon cœur pleure des personnes qui ont reçu des balles, des gens qui sont morts parce que tout simplement ils disent qu'ils veulent être libres, qu'ils veulent vivre. Je vois d'autres règlements de compte, des personnes qui vont brûler la maison des corabiers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prions, 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 prions pour le Gabon, ce pays pacifique, ce pays où les habitants n'ont jamais connu de conflit. Ce pays où les personnes ne sont pas des bagarreurs, ces personnes ne sont pas d'une nature violente. Aujourd'hui, l'on impose la violence au peuple gabonais. Aujourd'hui, l'on impose le dictat au peuple gabonais. Aujourd'hui, ce sont des Gabonais en tenue qui tirent sur des Gabonais dans leur propre pays. Ils ont la carte nationalité gabonaise. Ils demandent tout simplement de vivre. Une négociation peut être possible pour aménager simplement les heures de couvre-feu. Ils disent, nous sommes conscients du problème du Covid, mais 18 heures, c'est trop. En représailles, on tire, en représailles, on tire. On dira que certaines personnes sortent avec les barres de fer. On dira que certaines personnes sortent avec des cailloux. Mais mes frères, une balle. Des corabiers qui n'ont jamais connu la guerre, qui n'ont jamais été au front, vont prendre des civils pour leur cible. Prions pour le Gabon. Je suis choqué, je suis dépassé. Parce que nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est quelque chose que nous avons vécu. Vous, c'est maintenant que vous êtes en train de vivre cela. Nous, c'est quelque chose que nous avons vécu. Et ça commence. Prions pour le Gabon. Prions pour le Gabon. Ceux qui passent tout le temps à être présents, qui pensent que ce sont des charlatans autres. Écoutez, moi aujourd'hui, depuis plusieurs semaines annoncées, j'ai décidé de lancer le direct sur les révélations au Gabon. Je suis dépassé moi-même par le niveau des révélations. Et que le même soir, pendant que nous sommes en direct, en train de donner des révélations sur ce qui va se passer au niveau du Gabon, et le même soir, nous voyons déjà des morts. Mon cœur me trie. Je ne suis pas gabonais. Je peux dire, mais je m'en fiche, ça c'est le problème du Gabon. Les buvets du sang du Gabon vont tomber. Prions pour le Gabon. Je répète ce que je dis. Partagez cette vidéo dans tous les groupes au Gabon. Partagez cette vidéo, même si vous n'êtes pas gabonais. Prions pour le Gabon. Les heures sont mauvaises. Les heures sont sombres. J'ai vu des jeunes dans des quartiers s'organiser. Souvent même recevoir de l'argent. On va payer des jeunes pour les demander de s'affronter à d'autres jeunes. Prions pour le Gabon. Pasteur du Gabon, je vous en supplie.
Je vous en conjure. Le temps des débats de chiffonniers est passé. Prions pour le Gabon. J'ai mal. Je vais juste m'arrêter là. Seigneur, si tu es Dieu, si tu es le véritable Dieu, sauve le peuple gabonais. Dévoile tous ceux qui sont derrière la mort. Humilie-les. Frappe-les. Que cet esprit de femme, ce démon qui contrôle le Gabon, tombe dans le nom de Jésus. Je rappelle et je répète. 3 jours de jeûne. Vous me direz, mais en général, il y a urgence. Pourquoi le jeûne doit se faire du 3, du 5 au 7 mars? C'est dans le mois de mars que l'ennemi veut frapper plus de morts. Ce que vous voyez n'est encore rien. Ce que vous voyez, ce n'est rien. L'ennemi a prévu paralyser tout le pays. J'ai vu des soldats étrangers entrer au Gabon, tirer sur des Gabonais, donner des ordres à des soldats gabonais. Vous devez prier. Gabonais, le temps n'est plus au débat. Chrétiens, aujourd'hui, on ne permet plus que vous vous rassemblez. Mais nous avons Facebook. On peut se retrouver, on peut prier. Je demande à tous les Gabonais de prendre les responsabilités. Là, nous sommes en direct. Là, nous sommes en direct. Je demande à chaque Gabonais de prendre ses responsabilités devant l'histoire. Je demande à chaque Gabonais de fléchir genoux dans sa chambre, de dire « Seigneur, que le sang de Jésus protège le Gabon. » J'ai demandé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à tout le monde de m'amener simplement un message sur WhatsApp. Le 00225-07-09-50-93-59. Prenez le numéro, s'il vous plaît, et écrivez-le. 00225-07-09-50-93-59. Écrivez-moi simplement, dit mon général, je veux faire partie de la ligne de prière. J'ai demandé aux juifs, aux moines juifs qui font des intercessions, de nous amener exactement les 120 déclarations prophétiques pour sauver le Gabon. Les 120 déclarations prophétiques pour sauver le Gabon. Je fais ce direct de toute urgence. Je viens de finir direct, je réponds ce direct de toute urgence. Parce que Dieu m'a dit, 10 000 Gabonais doivent jeûner du 5 au 7 mars pour le Gabon, pour le réveil du Gabon, pour la délivrance du Gabon. On me parle de 4 morts. Un petit peuple de 2 millions d'habitants. On arrache 4 vies. 4 vies qui auraient pu se reproduire. 4 vies qui auraient pu donner encore de la vie. Si vous ne faites pas partie de cette chaîne, moi, vous pouvez ne pas m'aimer. Ce n'est pas mon problème. Moi, vous pouvez me juger comme vous voulez. Ce n'est pas mon problème. Mais vous devez vous aimer. Il y a des Gabonais aux États-Unis. Il y a des Gabonais en France. Il y a des Gabonais au Sénégal. Il y a des Gabonais au Gabon. Plusieurs ont reçu cette révélation. Amenez-moi, s'il vous plaît, un message sur mon WhatsApp pour que je vous enregistre et que je vous mette dans les groupes de diffusion. Ainsi que les autres révélations que nous recevons, je vous les envoie. Les déclarations prophétiques que je reçois, je vous les envoie. Pour que vous sachiez quelles sont les prières stratégiques, les heures stratégiques et les actions prophétiques à faire pour sauver le Gabon. Il y a urgence. Le seul numéro, c'est le 00225-07-09-50-93-59. Je réponds à près de 2000 messages par jour. Donc, recevoir. Je demande aux gens de ne pas m'amener. Ceux qui m'amènent les messages sur mon deuxième WhatsApp, je ne répondrai pas. J'ai donné un seul numéro WhatsApp. C'est le 00225. Prenez le numéro, s'il vous plaît. Vous aimez le Gabon. Vous êtes Gabonais. Ça ne concerne que les Gabonais. 00225. 07. 09. 50. 93, 59. 10 000 personnes, c'est encore un fardeau pour moi. Mais Dieu m'a dit, Camille, j'aime le Gabon et je veux sauver le Gabon. Dieu ne permettra pas que le Gabon sombre. Dieu ne permettra pas que le sang du Gabonais coule innocent, de façon impunie.
Dieu ne peut pas permettre cela. Mais si les Gabonais restent dans la plaisanterie, dans les rires, dans les jugements, dans les opinions stupides, vous allez le regretter toute votre vie. Ce jeune que je vous annonce n'est pas pour moi. C'est le seul jeune qui sauvera le Gabon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu veille sur le Gabon. Ne pleurez pas. L'heure n'est pas de pleurer. L'heure n'est pas de dire. Maudit soient les autorités. Mais l'heure est de dire Jésus. Sauve le Gabon. Amen. Ceux qui demandent qu'est-ce qui se passe, allez sur Internet. Il y a un couvre-feu au Gabon qui a été imposé à partir de 18h. Les populations gabonaises ont mis en place un système de taper les casseroles. Les jeunes sont sortis taper les casseroles. Et il y a déjà 4 morts. Des personnes ont reçu des balles dans la tête. D'autres ont été tués. Ce sont des assassinats. Et ces personnes qui ont tué resteront impunies. Prions pour le Gabon. Que Dieu vous bénisse.